tuer Andréade. Il est espagnol! Quel enfer! Oh là là, oh là, oh là, je suis plus habitué à jouer. Je ne suis plus habitué à jouer. C'est terrible. C'est terrible, c'est absolument terrible. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moutons? Il y a des zèbres. Il y a des éléphants, mais au secours. Ok, c'est bon. Infi n'est pas là, on aura que des PGM. Ah bah ouais, Infi va pouvoir regarder et apprendre. Il va pouvoir regarder, apprendre, il va prendre des notes et tout, tu vas voir. Hop. Hop. Là, j'aurai éléphant, machin. Ok, on a trouvé toutes mes ressources. J'ai une relique tout là-haut. J'ai une relique tout là-haut. J'ai pas vu mon cul, t'as pas vu, Andréade. Je suis espagnol. Tuez-le ou il gagne. Je me rappelle l'époque, il essayait de monter le ladder. Ouais, mais c'est un fils, c'est son côté compétitif. Un fils, il est compétitif, il se fait péter la gueule 3 fois et après c'est finito, tu vois. Il a la persévérance d'une mouette, vous voyez. Ah, c'est Ara qui ment, visiblement. Ara raconte des cracks sur un fils. Ça serait pas la première fois que Ara raconte des mensonges. Hein. Allez. C'est parti. On lance. Je vais turtle comme un âne. Je vais turtle comme un âne. Je vais être très sale. Voilà. C'est Age of Empires 4, il y a encore des gens qui jouent. Ah oui, mais il y a plein de gens qui jouent à Age of Empires 4. Perso, je trouve nul à chier, hein, mais écoutez, si les gens sont heureux avec, c'est cool. Attends. Non, c'est ça, c'est hop. Moins de chances de tomber sur un golem. Sur Age of Empires 4, ça doit quand même sentir le golem, hein. Te fous pas de moi, hein. Bon là, attendez. Là, Houston, on a un problème. On va aller chercher l'éléphant. Comme ça. Le bois. Oh, j'ai pas le... C'est la catastrophe. Hop, hop. Allez, vous deux, vous venez là. Toi, tu fais ça. Oh, j'ai froid aux mains. J'ai froid aux mains. Quel enfer de jouer avec les mains gelées. Est-ce que tes tryhards fonctionnent parfois, Infi? Je veux dire, tu tryhards quand même vachement souvent. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que t'es déjà monté à haut niveau dans un jeu? On va aller faire ça, comme ça, là. Hop. Voilà. Hop. Allez, on va récupérer les ressources. Là, on va aller chercher, choper le rhinocéros. Oh là, je vais bientôt être... Je vais bientôt être supply block. On va aller poser de la baraque. Voilà.
Et toi là, viens là. Et ici, viens là-bas. Voilà. Là, on se prépare à aller choper le rhinocéros. Sur CSGO! Il y a des gens qui te supportaient en équipe sur CSGO. Tu peux pas monter sans avoir des potes. Il y a des gens qui te supportaient. Un fils sur CSGO, toi. Genre monsieur mauvaise foi. Je peine à croire à ça. À cette affabulation. J'ai jamais vu quelqu'un capable de se faire autant insupportable et de se faire autant d'ennemis que toi. T'as aucun doigté. Hop là, allez, on chope tout ça. Oh merde, je peux passer là, j'attendais. Voilà, let's go. Ouais, mais si tu joues avec des IA, forcément, hein, Fix, ça passe avec des IA. Je te parle de vrais joueurs humains. Écoutez, c'est pas mal le start. Bon, c'est pas mal et je suis dernier. Hein. Je suis dernier. Pépé, bon dernier. Personne n'a passé l'âge. Hein? Le chat, vous avez surveillé. Personne n'a passé l'âge encore. Ah, ça y est, ça passe. Andréade, qui est premier en espagnol. Oh là là, Andréade, il a 200 points d'avance, là. Oh là là. Je vais aller pêcher. Viens là, toi. On va faire ça. Magnifique. Voilà. Vous trois. Hop, hop. Vous allez venir ici. Voilà. Vous trois. Vous allez monter là-bas. Parfait. Voilà. On va faire de la maison. Voilà, vous trois, comme ça, là, comme ça, ici, vous allez pêcher au bord de l'eau, et c'est parti. Parfait, allez hop, du bois. Écoutez, on est passé en même temps que tout le monde, c'est pas mal. On va aller commencer à taper dans de l'or. Oh, Kittle est premier, 1832 points. Je vais continuer à aller chercher du bois. Comme ça, voilà. Voilà, du bois, du bois, du bois. On va aller faire ça. On va aller construire. Hop. Hop. Toi, tu vas aller faire ça. Et toi, on va commencer à poser des champs. J'ai vu des mecs, des pros jouer à Age of Empires 2, je comprenais même pas ce qu'ils faisaient, tellement leur clavier allait vite. Un truc de zinzin. Fallait voir pour le croire, je t'avoue. À quoi ils jouent? Le mec posait 10 champs d'un coup, j'étais là, mais c'est possible ça? Ah, je suis vraiment nul, hein. Allez hop. Ah ouais, Andrea d'âge des châteaux. Oh, ce rush. Ce rush de zinzin. Au secours. Qui va nous protéger du golem Andréade? Où est un fi quand on a besoin de lui? Pour faire quelque chose de stupide et d'inattendu.
Oh là, je vais être supply block. Je vais être supply block. Voilà. Écoutez, on est pas mal pour le moment. L'écho est lancé. Ah d'accord, ici. On en est donc là. Hop. 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 Voilà. Alors, on passe l'âge supérieur, c'est parti. Ah bah oui, un fils, il aurait mis son zizi dans la bouche d'Andréane, il aurait dit, écoute, je suis là pour gagner cette game, va-t'en méchant. Il lui aurait sûrement insulté sa maman ou quelque chose comme ça, des doux noms d'oiseaux dont un fils a la spécialité. Allez hop, ça récolte. J'ai deux reliques. J'ai deux reliques sur mon île. Ça, c'est très intéressant. Bah quoi, qu'est-ce que tu spams? Lurtz. Andréade, ok. On sait où est Andréade, les mecs. On a trouvé le golem. Monsieur Golem, en personne. Pépé, ma relique. Touche pas. C'est moi qui... Allez, à moi, ta relique. Salaud, tu en as deux. Jaloux. Le pauvre a pas de relique avec le placement. C'est ballot, ça. On va immédiatement faire des troupes dans le doute. Et je vais commencer à placer la ligne Maginot. La ligne Maginot, les gars. Très important. Ah. On va aussi faire péter immédiatement plus de bois. Plus de bois, plus de bois, plus de bois. Comme ça. Hop. Voilà. Du bois. Il me faut plus de bois. Plus d'or. Ok, je suis pas trop à la bourre, mine de rien. On est pas mal. Mais il me faut ouais, le bois, de la pierre, plus de pierre. Et je vais immédiatement poser mon monastère. Et mon université. Voilà. Un temple pour l'or, t'inquiète, je sais ce que je fais. Ne sous-estime pas PPGM. L'âne battée de Reykjavik. Ok, allez chercher l'or, un moine. On va aller chercher la pierre.
Toujours plus d'or. Voilà. Ok, on est pas mal. Je compte sur le chat pour me dire. T'as pas activé le spec mode? Non, j'ai pas autre chose à foutre que mettre le spec mode. Je sais même pas que ça existait, tu vois. Oh merde. Mais non. Oh mais quel enfer! Alors toi, mon gars, ça, tu vas pas les... Tu vas pas t'en sortir comme ça. Hop. Il veut la relique. Il veut la relique. J'attends d'avoir juste l'amélioration de vitesse. Et je vais venir le défoncer. Grossière erreur. Mais non, attends, je me suis fait voler de reliques. Non. Mais si. Pff, putain. Je me suis fait voler de reliques. Oh, j'ai perdu. Mais putain, j'ai perdu mes reliques. J'ai perdu mes reliques. J'ai perdu mes deux reliques. Quel enfer. Et j'ai pas micro pendant ce temps. Bon bah pas de relique pour Pépé. J'ai pas le droit. Et en plus ils ont buté mes... Quel enfer. Mes deux reliques quoi. Oh et l'autre qui est là en train de twerker sur ma gueule. Oh et le mec vient dans ma base. Mais quel enculé. Attends, on va mettre un château en vitesse. Oh là là, j'ai mal joué. Hein. J'ai très mal joué. Hein. J'aurais dû faire des troupes et les envoyer dessus. Non mais je me fais attaquer. Oh là là, mais il vient. Putain. Je déteste ces cancers là. Avec ces archers pourris. Pas foutu de jouer. Oh, il y a tout qui... C'est le bordel avec les paysans après. Et construit. Non mais c'est pas possible. Je suis fatigué. 26 paysans, mais qu'est-ce que... Pourquoi le jeu est buggé avec le trou du cul? Avec ça là. Eh ouais, et là il vient me taper dedans. Fait chier. Joueur casse-couille. Joueur chiant. J'ai même pas envie de jouer, putain. J'ai même pas envie de jouer. Le mec vient péter les couilles comme ça, pour rien. Je suis chieur. J'appuie sur la cloche, tout le monde tourne à sa place. Bon, visiblement non. Hein. Putain, le temps que ça m'a... qui m'a fait perdre avec ces conneries là, ce débile. Je déteste les joueurs qui font ça, putain, y'a aucun intérêt à part péter les couilles. Fais des troupes au lieu de râler, je t'emmerde toi, casse-toi. J'ai essayé de faire des troupes, mais ça sort pas. J'ai pas fait assez de caserne. Bah non, j'ai pas envie d'être cancer comme ça, moi je débarque pas en early game pour aller voler une relique. Par contre lui c'est mon ennemi hein. Le jaune là, je lâche plus. Hein. Le jaune maintenant, rien à foutre du score. Hein. Il est venu me faire chier comme ça. Il y aura des conséquences. Hein. Rien à foutre du reste de la game. Hein. Maintenant, je viens pour le taper.
Hop. Allez, c'est parti. On va... alors toi, faire ça. Putain. Allez! Mais ok, jeu de merde. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas en colère. C'est pas bien. On va continuer à récolter de l'or. Des techs. Hop. Voilà. Toi, tu vas aller là-bas. Hop. C'est parti. Ok. On est dans cette game. Je suis dernier. Je vais pas être là pour la win, moi. Hein. Oh là là, ici, c'est la cata. Je vais aller poser... Je vais aller chercher du bois là-haut, plutôt. Voilà. Et ici, on va commencer à faire les upgrades. 900 de bouffe. Et c'est à l'âge... Non. Ne fais pas ça. Pas tout de suite. Voilà. On va attendre l'âge impé. On n'en est pas loin. On va aller chercher du bois. On va aller chercher de l'or. Allez, on va aller chercher ta pierre. Et on va commencer l'armure. Voilà. On va avoir la jumpé bientôt. Oh, mais j'ai 5 paysans qui font rien. Où vous êtes, bande de cons? Ah là. Écoute, le golem de compète. Arrête de spam dans mon chat, là, tes conneries. Et laisse-moi tranquille. Je t'ai rien demandé. Quand j'aurai besoin de tes conseils, tu pourras me les donner. Bonsoir, Mar. Oh non, je me suis attaqué. Oh là là, mais regardez tout ce qu'il amène. Lui, il est bien cancer. Lui, il est bien cancer. Putain, j'allais... Je suis en train de passer à un P. Ah, il construit. Il construit, malheureusement. Bon, on va pas pouvoir jouer. On va pas avoir le droit de jouer à cette game, hein. Oh, j'arrive pas à micro. Ah, il me faudrait des tirailleurs. Une masse de tirailleurs. Quel enfer Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez, je vais passer la jumper. On va défendre. Un chur pareil.
Pas de bouffe. Oh, mais c'est terrible ici. J'ai trop de bois. J'ai beaucoup trop de bois. Et merde! Ouais, bah démerde-toi. Moi, j'ai l'autre en train de me raser. Je suis toujours content d'aider. Bon, attendez, là, on va passer à la contre-attaque. C'est parti. Oh, il y a des trêpes, c'est tout! Allez, full tirailleur, on va le dégager, voilà. Oh non, mais c'est bon, quoi. Non, mais regardez, ok, c'est bon, j'ai pas envie de jouer. Ça va être chiant. Je vais juste faire une game ce soir. J'ai pas envie de jouer. Allez, c'est bon. Allez, hop. Resign. Hop, on va aller voir le reste de la game. J'ai horreur de ça. Faire du... ce genre de petite bataille de merde, là. Spam. Bon. On va aller voir... l'hostie. Le contour m'a battu. On va aller voir le rouge, l'Hurts. La bagarre. Et qui est premier? Bah, c'est l'hostie, forcément, vu qu'il m'a tué. Andréade en gris, deuxième. Alors, quand Andréade, il va avoir les galions à canon... quand il va voir les galions à canon, ça va être vite fini. Hein. Ça va être vite fini. L'Hurts, il est tranquille. Oh bah ça, ils sont tous tranquilles. Hein. Oh là là, regardez la flotte ici. Ça rigole pas. Grosse flotte. Le rouge, j'ai vu s'installer au centre. Salut Belnec. Ouais, je vais juste en faire une, je vais arrêter, j'ai pas envie de jouer. Il m'a juste dégoûté là. Il va faire voler deux reliques. Des petits run, des petits sneak moves de merde. Là. A new power is rising. It's victory. Oh merci pour ça, mec. Regarde. Ouais, puis il achète tout le monde, il rase tout le monde. Ouais, bon. Génial. Génial. Bonne game d'enculé. Non, on peut même pas faire, on peut même pas jouer et faire une bonne game, quoi. C'est chiant. L'hostie attaque Andréade, mais l'hostie s'en fout. L'hostie est juste là pour, il est juste là pour tuer des joueurs. L'hostie, c'est un débile. Le prochain softball, c'est quoi? J'en sais rien. Hein. T'as une idée? J'en sais rien. Là, il est le sub-goal des anneaux de pouvoir, il a été débloqué tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à la question. Bon, bah là, l'Earth, c'est mort. Voilà, il est l'autre, il est... Oh bah, il y a Andréade qui vient raser le premier. Il a compris, Andréade, qui est la menace. Voilà, l'Earth, il s'est barré. La roue du temps, non, ça suffit, les reviews des trucs de merde, là... C'est bon, hein. J'ai donné. Hein. Bon, je crois que ça va être vite fini. Hein. Il y a juste... Regarde, pff, mais il est déjà mort! Il est déjà mort! Andréade, il a pas compris! Le mec est déjà mort! Bon, Andréade, en soi, il est premier. Hein. Andréade, il est premier. J'espère qu'Andréade va massacrer cette petite fouine de l'hostie qui vient tuer les mecs les plus faibles. Le mec vient tuer les mecs les plus faibles. Ça, c'est typique. Hein. Il vient même pas pour les ressources, hein. Il est juste venu pour me tuer. Voilà. Maître Dindon, Orslo 13, trêve évidente. Orslo, il est 3ème. Il y a un monde où il gagne. Il a aucune raison de faire des trêves. L'hostie débarque partout. Hein.
Par contre, là, l'hostie, mon gars, tu vas trouver à qui parler, hein. Avec tes petits ten runs de merde. Ah oui, mais Orslo, il a rien blanc, il a rien glandé, en fait. Orslo, il a laissé hostie tranquillement se poser. T'es mort, le Dox. Megadox, le pauvre Megadox. Le pauvre Megadox. Ah oui, Dox qui a... Regardez, Dox. Oh non, mais il a ses galions à canon espagnol, regardez. Comment c'est cheaté. Regardez, boum. Il a... C'est des bazookas. C'est des bazookas. C'est sûrement... C'est la faction interdite, normalement, mais forcément, Andrea, il se met en aléatoire et il tombe à chaque fois dessus. Comme s'il n'y avait pas assez de... d'autres factions, tu vois. Bon bah là voilà, l'hostie a fait le kéké, il m'a éliminé, il est content. C'est con, j'aurais été vivant, j'aurais, on serait allé taper le premier. Et regardez, il se fait raser. Eh bah bien fait pour ta gueule. Eh bah voilà. Ça fait le kéké au début en rasant les mecs les plus faibles. Et après, ça se fait défoncer par les mecs. Et ouais, c'est bien de raser les mecs au début. Mais raser des mecs nuls, comme moi, ça sert à rien. Anne batté Karma, mais complètement. Il aurait build up. Il aurait build up et Turtle. Il serait allé prendre les îles au centre. Il aurait pu peut-être défendre. Et là, par contre, il se fait casser la gueule. Et ouais. Anne batté. Un Anne batté. Quand t'as des mecs aussi forts dans la game que Andréad, Orslo, et que t'as Orslo en voisin, tu vas pas raser Pépé. Pépé, c'est pas une menace. Par contre, Orslo, c'en est une. Eh, attendez, vous vous rendez compte que Kittle a débarqué chez Orslo à coup de chevalier teutonique et de canon. Oh là là, mais cette game, elle est giga rapide. Hein. Moi, j'ai pas le niveau pour cette game. Hein. J'ai pas le niveau pour cette game. Ils sont trop forts, hein, ces animaux-là. Oh là là, vas-y. Je suis content de le voir se faire raser, l'hostie. Hein. C'est bien fait pour sa gueule. Hein. À venir harceler en early game. Oh, regardez la flotte d'Orslo. Il a une belle flotte, Orslo. Bon, Andrea des premiers avec 2000 points d'avance, mais il est contesté, hein. Regardez ça. Dux, Megadux. Megadux. Megadux, il a jamais l'affaire. Megadux, une fois que vous lui avez envoyé, vous avez fait un eye contact avec Megadux, vous êtes son ennemi pendant toute la game. Hein. Voilà. Oh, regardez la bataille navale. Oh là 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 là, les bateaux d'Andréad. Andréad va se casser la gueule au point. Vous savez qu'Andréad, là, il a été gourmand. Mais Andréad, il se fait attaquer de partout par Megadox. Il y a eu des... d'accord, il y a eu des tours ici. Ça sent pas bon pour Andréad, hein. Andréad, il a fait le kéké au début avec beaucoup de points. Oh, les bateaux de démo. Les démos de l'hostie. Mais ouais, mais c'est trop tard. Oh, il fait... Ouh là là, oh, regardez l'hostie, il a fait du point là. Eh, les démos, c'est une bonne idée. Hein. Regardez, il a les démos lourds là. Avec les Vietnamiens, il va faire du kill. Hein. Oh, mais regardez! Andréad! Il a amené des paladins! Eh ben oui, mon gars! Bien fait pour ta gueule! Oh, le karma! Oh, le karma, il est sweet là! Hein? Le karma! Au lieu d'aller raser tes voisins, fallait turtle un peu, préparer des invasions. Regardez! Oh là là, il est mort complètement. Et il s'est barré! Oh là 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 là, je suis content! Bien fait pour ta gueule! La revanche, le karma! Merci, Andrea, de m'avoir vengé! Eh ben, tout ça pour ça! Raser deux joueurs, et après ne pas être capable de se défendre! Oh là, ça fait du kill. Alors, est-ce que vous pensez que... Hop là, tu tues un joueur, on s'en fait un ennemi. Ah bah oui, t'avais bien raison de me tuer, mais t'as été un peu con parce que moi je suis faible. Fallait pas venir me faire chier. Tu t'es fait niquer par le mec le plus fort dessous toi. Et il y a même l'autre qui a fait une diagonale pour venir te péter la gueule. Choix très peu judicieux avec tellement de bons joueurs d'aller taper les deux mecs les plus faibles. Aller taper les deux derniers. Stupide, tu t'es totalement découvert, tu t'es fait péter la gueule. C'est que je voyais pas les scores. Eh ben c'est con de pas activer l'option pour voir les scores. Tu vois. C'est pourtant ce qu'il y a de plus important.
pour définir les choix de jeu. C'est qui joue où. Tu t'es fait péter la gueule, c'est bien fait pour toi. Et je suis bien content. Le karma t'a bien souillé. Oh, regardez Megadox! Megadox qui remonte au point. Oh là 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 là, eh! Vous savez qu'il est dans la merde, Andréad, parce qu'il subit un blocus. Il ne peut pas sortir de sa base. Andréad ne peut pas sortir de sa base! Oh, ça construit un château Megadox! Le château! Il n'a pas vu le château. Il n'a pas vu le château, le pauvre Megadox. Andréad est bloqué sur sa base. Ça va laisser le temps, peut-être à Maître Dindon de revenir dans la game. À Kittle! Kittle qui est bien dans la game, hein. Kittle qui est bien dans la game, il a rasé un joueur. Par contre, Yal, regardez, regardez qui est là. Il a toujours ses paladins, Andréad. Je l'ai mérité. Ah ouais, tu l'as mérité, ouais. T'aurais dû aller raser le mec en dessous de toi. Orslo. Orslo qui est quatrième de la game. Avec une sacrée flotte de guerre. Et il est balèze, Orslo. Galion à canon et tout. Et Megadox qui... Oh mais regardez Megadox, le Tchad. Il a rasé le château avec des trébuchés. Orslo. Bah ouais Orslo, mais... figure-toi que Andréad est encerclé. Et Andréad ne peut plus sortir de chez lui. Mais malgré cela, Andréad est premier. Andréad fait du point, mais pendant combien de temps il va faire du point? Voilà. Allez! Non mais eh, Andréad en est réduit à couler les bateaux avec les trébuchés. Oh là 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 là! Mais eh, mais Megadox qui est en train de battre Andréad. La fin de la game va être intéressante parce qu'il reste beaucoup. Vous savez qu'il reste beaucoup de temps encore. Vu que l'Hosti a fait n'importe quoi, a tué deux joueurs inutiles. On a Kittle qui a rasé aussi Orslo, qui l'a envoyé au centre de la carte, mais Orslo est toujours là. Il a une bonne économie, Orslo. On a même Maître Dindon qui est là, il se partage la carte avec Orslo. Oh, il attaque Kittle! Magnifique, allez, les bateaux de transport. Cool, les bateaux de transport et les canonniers, voilà. Magnifique, et il y a une masse de galions à canon. Les joueurs, c'est les joueurs les plus faibles qui font la police sur mer. C'est Megadox et Orslo qui font la police sur mer. Oh les dracars. Oh les dracars. Oh non, Maître Dindon, t'es dracars. Microlé, Maître Dindon. Maître Dindon, où es-tu? Il micro pas. Oh, c'est la catastrophe. Maître Dindon qui a que ça à faire. Ça y est, il a vu. Il a vu. Voilà, Maître Dindon. Regarde Andréad qui dit à Megadox. Il l'insulte. Il l'insulte. Bah ouais, mais Andréad, tu l'avais menacé en plus, Megadox. Tu lui avais dit, t'es mort, je crois. Tout le chat l'avait vu. Oh là 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 là. Bah ouais, Andréad. T'as fait le kéké, là, en allant attaquer un autre joueur à l'autre bout de la carte. T'aurais peut-être dû t'occuper de Megadox, mon champion. Élevé au grain de la haine. Ah, il en est réduit avec ses paladins à essayer d'attaquer les bateaux de mettre... Écoutez, on rigole bien quand même. Hein. Regardez-le, hein, les paladins, ça sert à rien quand t'as pas de flotte. Ça me fait plaisir hein, qu'un golem comme Andréad se fasse attraper comme ça. Ça fait plaisir. Il peut pas sortir de son île. Il est totalement bloqué. Et regardez, pendant ce temps, Megadox, le champion, il va prendre les îles. Les ressources. Et il est giga bien. Orslo est toujours vivant. Kittle s'est fait. Kittle peut. Est-ce qu'il peut sortir? Alors, techniquement, Kittle, il a un paysan ici. Il pourrait faire un forum et essayer de se développer. Mais Orslo, malgré sa mort, Orslo est toujours super balèze. Il a une belle armada.
Je suis incapable de vous dire qu'il va gagner. Je suis incapable de vous dire qu'il va gagner. Orslo, peut-être. Mais mine de rien, Maître Dindon est toujours balèze. Maître Dindon a une petite flotte. Des ressources. Megadux en embuscade, il est bien aussi. Il tient Andréade. Oh, Andréade! Andréade est parvenu à faire une flotte! Comment il a fait cette flotte, le coquin? Andréade? Oh, mais on n'avait pas vu! Non, mais non. C'est... Mais si, Andréade, il s'est posé là. Andréade a repris le contrôle de la mer! Il va chasser Megadux! J'avais pas vu. J'avais pas vu. Oh là là, Megadox est de retour avec ses galions à canon espagnol. Andréade. Et ça va déménager maintenant. Il a les canons cheatés. Il a les canons cheatés, ça va être l'enfer. Oh là 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 là, Andréade est de retour dans la game. Est-ce qu'il est pas trop tard? Je pense que non, il est toujours premier, Andréade. Hein. Il est toujours premier. C'est compliqué à gérer, hein. Les galions à canon espagnol, ils sont fumés de chez fumés. Le golem est de retour! Le golem est de retour! On a Orslo qui est venu se poser dans l'ancienne base de l'hostie. Il y a peut-être des reliques hein, à aller prendre. C'est quoi les bonus espagnols? Bah tu lances ton jeu et tu vas voir dans les bonus. Moi je sais qu'il a des galions à canon absolument terrifiants et qu'il a les conquistadors. Regardez les galions à canon, ils tirent comme des Gatling. Boum! Oh là là, le pauvre Megadox. Il a aucune chance. Il a aucune chance, quoique. Ah voilà, il vient dégager le château. Tu m'as pourri ma game, je vais quand même pas te répondre. Hein. Ah c'est le jeu. Oh là là, regardez de la light cave d'Andréade. De la light cave, ça sent le raiding chez les voisins. Il va sûrement débarquer ça chez Megadux, je pense. La light cave. Megadux, attention, il va trade. Ah oui, moi je balance, hein. Je m'en fous, hein. Je m'en fous, hein. Je me suis fait éliminer comme une merde, j'ai pas eu le droit de jouer. Je balance toutes les infos dans le live, hein. Andréade fait de la cave d'éclairage. Il va raider quelqu'un. Oh, regardez la flotte de Megadux. Attaque Megadux. Il veut les galions. Il veut les galions à canon. Il veut les galions à canon. Oh, c'est terrible. Vas-y, attaque-le. Oh là là, les galions à canon, ils font tellement mal. Ils sont tellement OP, les galions à canon. Mais regardez ça, le pauvre Megadox, il laisse toute sa flotte. Il est toujours vivant. Il a une économie de merde. Oh ouais, ben, Megadox, l'économie, c'est pas trop ça quand même. Hein. Quoi que je dis ça, mais mine de rien, il exploite. Il a une autre idée. Ah non, il fait beaucoup de bateaux. Hein. Il faudrait qu'il fasse des bateaux de démolition, Megadux. Là, vous faites des démos, des bateaux de démo, et vous les envoyez dans le tas. Orslo, malgré la perte de sa base à cause de Kittle, Orslo est en train de continuer à exploiter tout ça. Et il a une sacrée armada, Orslo. Regardez qui arrive. Là, le pauvre Andréade. Le pauvre Andréade qui sort de sa base. Orslo à l'attaque. Eh ouais, Orslo, il rigole pas là. Eh ouais, taper Megadux, c'était mignon. C'était mignon. Eh, Megadux qui a une armada. Matez l'armada du Dusk, du Duc. Du Duc Bellorum. Il y va. Il va tout péter. Et là-haut, c'est la panique. Andréade, c'est la panique. Andréade est pris en sandwich. Il va perdre ses galions, hein, ses précieux galions à canon. Andréade, regardez, il gueule. Il insulte Orslo dans le chat. C'est ça qu'on veut voir, du sel, comme moi. Un mec aigri. Va taper Maître Dindon. Mais c'est toi le premier, Andréade. C'est toi le premier, Andréade. Bien sûr qu'il y a zéro diplo, mais faut taper les mecs les plus forts, faut les connaître. On sait que c'est Andréade les plus forts, Orslo, ton voisin. Eh, hey, Maître Dindon, il est toujours dans la game. Oh non, Maître Dindon qui se fait attaquer par Kittle. Non.
Attends, mais Maître Dindon, il est teutonique? Ah non, c'est des berserkers élites, c'est pas des chevaliers teutoniques! Maître Dindon vient de backstab! Vient de backstab Megadox! Oh, la catastrophe. Pendant ce temps... Orslo chasse. Orslo chasse. Va-t-il trouver des cibles? Je pense que oui. Et attendez! Pendant que Maître Dindon a débarqué chez Megadox, Kittel vient de débarquer chez Maître Dindon avec une armée de chevaliers teutoniques. Oh là 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 là, ça c'est terrifiant à affronter. Si vous n'avez pas du perse armure solide, c'est intuable. Des chevaliers teutoniques. Regardez, ils rasent des châteaux avec deux petites bombardes et une armée de teutoniques. Tu en refais une de... Non, non, j'arrête. J'arrête. J'ai trop streamé aujourd'hui, en fait. Mais ça aurait été... C'est une bonne game. Dommage que l'Austin nous ait rasé dès le début, hein. Mais il s'est fait raser, donc c'est bon, l'honneur est sauf. Je crois que... Ça va être compliqué pour Maître Dindon. Ok, il y a du Berserker Elite qui arrive. Ça va faire du DPS. Les chevaliers teutoniques envoient beaucoup de DPS. Oh là 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 là. Allez, attendez, ça tient. Allez, il essaie d'en convertir un. Allez. Il a converti un chevalier teutonique, le Tchad. Est-ce que ça tient? Je pense pas que ça tienne. Il vient de raser le forum. Je crois que c'est fini pour Maître Dindon. Malheureusement. Maître Dindon est à l'agonie, j'en ai peur. Et pendant ce temps, Orslo est en train de nettoyer Andréade. Mais Andréade est toujours premier. Orslo est à 1000 points derrière. C'est vachement serré. Entre Andréade, Orslo et Maître Dindon, il y a 1000 points. Des flèches ou du perse armure, hein, tu lui mets... Eh, hey, les teutoniques, ça aime pas la poudre. Les teutoniques, ça aime pas la poudre. Orslo va gagner. Il est bien placé, en tout cas. Il est bien placé, personne n'attaque. Et dites-vous qu'il a perdu sa base, hein. Orslo, il a perdu sa base. Preuve que c'est jamais fini quand vous survivez. Et là, il s'est réinstallé chez l'hostie. Et il a une sacrée armada. Ils sont tous en train de se mettre sauvagement sur la gueule, sans regarder les points. Enfin, qu'en soit, Maître Dindon, il est troisième. C'est une cible légitime pour Kittel, hein. Il reste encore 350 ans. Tout est possible, hein. Tout est possible. Et Maître Dindon est dans le peloton de tête. Donc le raser, c'est tout à fait normal. C'est pas comme moi qui étais dernier. Il a tes deux reliques. Ouais, les deux reliques que tu m'as volées. T'as investi comme un dingue pour deux pauvres reliques pour te faire raser comme une merde juste après. Parce que t'avais pas de défense. Oh, regardez qui arrive là. Megadox. Megadox qui a migré. Megadox s'est fait raser. Megadox s'est fait raser. Il est en train de migrer. Et... Non mais c'est génial. Kittel a rasé Megadox. A rasé Maître Dindon. Maître Dindon est venu ici. Et Megadox, qui s'est fait raser par Maître Dindon, a basculé au centre. Avec son armada. Pour me raser, ça t'a coûté plus que 5 archers. T'as investi très fort et t'avais rien pour te défendre quand Orslo est arrivé. T'étais à poil, mec. Hein. J'ai vu la bataille à la fin. T'étais à poil. T'aurais eu mieux compte de lancer des... de préserver ton économie, lancer des bateaux de démolition plus tôt, et t'aurais pu te défendre. Mais t'as préféré venir faire le kéké en pensant au très long terme. Et t'avais pas de flotte. Et t'avais rien. Très mauvais choix. Surtout avec faible comme moi. Moi, au pire, je suis dangereux sur le late game. Il y a des gens bien plus dangereux que moi en early game. Oh là 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 là. Ça, c'est Orslo. Bah, fallait... Orslo, il est très fort, hein. T'as laissé un mec très fort twerker tranquillement. Alors que c'était lui qu'il fallait aller attaquer. C'était pas moi. Moi, je suis bien moins dangereux qu'Orslo. Hein. T'as laissé le... Oh là là. Les bateaux de démo, ils vont se régaler. Les bateaux de démo. C'est parti, ça va faire boum. Alors, c'est même pas des lourds qu'il a. Oh là là, la fuite de Megadox. Oh là 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 là, Megadox qui est chassé. Megadox qui est chassé. Il aura bien... Megadox, il est dans la merde. Il va perdre son seul forum.
Il perd sa flotte. Ok, il a survécu au bateau de démo. Alors, au niveau points, c'est toujours Andreat qui est devant. Orslo deuxième. Kittle! Kittle qui a tué! Kittle qui est parvenu à tuer Maître Dindon. Mais Maître Dindon a migré là-bas. Et il est en train de faire place nette. Et de faire un... il est en train de changer la culture, quoi. Il est en train de grand remplacer Megadux anciennement. Et Megadux, malheureusement, le pauvre Megadux, ça va être difficile pour lui. Il lui reste encore, je crois, des paysans avec son armada. À voir ce qui va rester. Oh là là, c'est qui ça? Mais c'est Andréad! Le golem est pris en sandwich! Oh là là, mais Orslo, l'armada qu'il a! Oh, Orslo, il a une flotte gigantesque. Andréad fuit la queue entre les jambes. Mais t'as combien de flottes? Ah bah, il a une sacrée flotte, hein. Il est full galion. Oh, attention! Non, les paysans! Les paysans! Les Megadux, non! Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, il a une chance. Attaque, Megadux! Megadux amène tout est! Attaque, Megadux, avec tout est! Tout est cracheur de feu! Tu peux manger les galions, c'est le contre du galion! Amène toute ta flotte! Oh, il y a des bateaux de démo. Oh là là, et voilà le contre. Le contre. Je pensais pas à Andréad si lâche. Eh, Andréad, il fait une belle game, hein. Il est premier. Et il est assiégé depuis le début. Il a tué l'hostie. Enfin, il a aidé. Oh là là, oh non! Oh! C'est terrifiant. Les vaisseaux de démolition, c'est une petite merveille. Il n'y a que ça de vrai, les bateaux, les démo ships. Bon. Megadux a quit! Le pauvre Megadux. Il aura fait une bonne game, Megadux. Hein. Il se sera battu jusqu'au bout. Nous avons donc égalité entre Andréad et Orslo. Kittle vient de débarquer chez Orslo! Kittle débarque chez Orslo et est en train de lui manger des forums! Oh là 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 là! Kittle, vous savez, Kittle est encore là pour la win. Hein. Kittle, il a... Certes, Orslo a une énorme flotte, mais Kittle a une excellente armée, unité terrestre. S'il arrive à sneak et passer des troupes, ça fait le boulot, hein. Est-ce que Andréad est toujours en vie? Est-ce que Andréad peut faire quelque chose? Andréad, il a l'air au fond du trou, les gars. Il est en train d'essayer d'évacuer. Mais c'est compliqué, il a plus d'écho. Mais il est toujours premier. Mais je sais pas pour combien de temps. Écoutez, Andréad s'est refait ici. Il y a de l'argent. Non, il y a plus de thunes. L'or a déjà été exploité, malheureusement. Mais il y a du bois. Il va pouvoir se refaire. Et là, les chevaliers teutoniques, ils font le boulot. Sauf que là, il n'est pas content, Orslo. Aïe, 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 le bateau! Andréad qui vient me taper, je sais, il t'a même dit « Tu es mort, Megadux !» On a tout vu, Megadux! On a tout vu, l'arrogance d'Andréad. Après, tu l'as mis sous blocus, incroyable. Malheureusement, il a construit un château sous ton nez à un moment, t'as pas vu. Et ça l'a décoincé, il a aussi fait une flotte de guerre, là-haut. C'est là où il a fait ses bateaux, quand il a levé le blocus. Et avec ça, il a été capable, mais après, il s'est fait backstab par Orslo. Orslo est premier! Orslo est officiellement passé premier. Oh, les chevaliers teutoniques. Tranquille. Avec la... Alors, j'adore la cape, hein, les chevaliers teutoniques. Allez. Eh, chevalier de... Le galion coulé par une poignée de teutoniques. Oh, il rase le forum. Il rase le forum. Écoutez. Il reste qui dans cette game? Ils sont plus que 4, hein. Ils sont plus que 4 et mine de rien... J'avais pas interdit le commerce. Il me semble que j'avais interdit le commerce. Hein. Peut-être que Maître Dindon n'était pas au courant. J'aurais dû préciser, c'est de ma faute, dans les règles, que le trade était interdit. Il est toujours vivant, hein. Il a une chier de galion à canon, là. Enfin, une chier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais Maître Dindon est toujours vivant. Il est en train de rebuild. Il a des reliques. Il est toujours dans la game. Il est toujours dans la game. Andréad, le golem, il est toujours là!
Avec ses galions à canon espagnol cheaté. Et il est en train de casser du Orslo. Oh là là, Orslo, il sait plus où donner de la tête, là. L'armada d'Orslo, ici. Kita l'a débarqué dans la passe de Orslo. Oh là 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 là. Eh, c'est serré. Vous savez qu'il y a 100 points d'écart entre Orslo et Andread. Hein. Et on est à 200 ans de la fin. Il y a encore pas mal de temps. Même Kittle peut gagner cette game. Même Kittle peut gagner. De 2000 points, c'est pas beaucoup. Et il est en train de taper très fort avec ses petits commandos. Là, regardez, il y a des commandos partout. Teutonique. Mais vous savez que Orslo, il va pas bien, là. Orslo, il a plus de forum. Orslo, il a plus de forum, les gars. Regardez. Oh, le sneak. Vous savez chez moi, il y a tout l'or. Regardez l'or qu'il y a chez moi. Il y a l'or. Il y a tout l'or chez moi. J'ai rien exploité. Lost Team m'a tué trop vite. Il y a tout l'or. Vous savez que ma base, elle est intacte. On peut se refaire entièrement sur ma base. Il y a de la pierre, il y a de l'or, du bois. Tout est là. Et Orslo l'a compris. Et il arrive avec tout. Forum et tout ça. Et il va tenter de se refaire. Il a 200 ans pour se refaire. Ça va être short, mais c'est faisable. L'armada, il a une gigantesque armada. J'ai pépé à la fin, mais c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Hein. Il y a Orslo qui rôde déjà dessus. Il y va! Deux forums! Il y a de la pierre, il y a de l'or. Vous pouvez refaire entièrement tout ici. Et Megadux qui attaque Andread! C'est pas Megadux, Megadux il est mort, j'ai des bêtises. C'est Maître Dindon! Avec ses dracars! Maître Dindon qui est toujours là. Et Maître Dindon, il est pas loin derrière. Vous savez que Maître Dindon, il est quatrième. Il y a que 3000 points. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Oh, regardez l'autre qui... Le sneak d'Andread qui vient récupérer les petites mines d'or ici. Kittle s'est refait sur l'ancienne base d'Orslo. Il a des reliques. Oh là là, oh là là, la flotte d'Andread s'est faite attraper. Le golem a perdu sa flotte. Le golem a perdu sa flotte. Là, c'est la course contre la montre pour Orslo. Il est en train... Eh, Andread, malgré le fait qu'il ait perdu sa flotte, il est à 1000 points devant, 400 points devant. C'est très serré, hein. Ça peut se gagner à l'économie. L'économie, le fait de faire de l'économie, ça amène des points. Tout ramène des points, quasiment. Et là, on a Maître Dindon qui chasse. Maître Dindon qui chasse. Ah, c'est une bonne game. Maître Dindon qui s'est refait. Hein. Regardez la base de Maître Dindon. Et là, les chevaliers... Les chevaliers teutoniques de Kittle qui rase le château. Dindon, mon backstabber. Eh ouais, Megadox. Et maintenant, il t'a grand remplacé, tu n'as jamais existé. Et il s'installe chez toi parce que lui-même... Tu sais, Megadox, quand il t'a backstab, il s'est lui-même fait backstab et rasé par Kittle. Tu vois? Il s'est fait... Il a perdu sa base. Et là... Oh, les reliques. Orslo va... Une des raisons qu'il a autant d'argent, Orslo, pour faire des bateaux, c'est qu'il avait... Il avait les deux reliques de l'hostie. Celle qui m'a volé. Hein? Le voleur de reliques. Il a ruiné sa game juste pour ça. Il n'est pas fini. Hein. Regardez, regardez, l'économie qui repart. Il va aller prendre l'or. Il a le bois. Il est repassé premier. Il est repassé premier, Orslo. Andread, il est cuit. Hein. Andread, il fait plus d'éco... Oh non, Andread, pas ça! Non, Andread! Il reste 114 ans, Andread! Il faut faire de l'économie, il fait un forum! Oh là là, Andread. Aïe, aïe, aïe. Andread est désespéré. Andread est désespéré, la tactique des losers. Pendant ce temps, Orslo, il a une base neuve. Presque neuve. C'est comme une capote qui a servi qu'une fois, quoi, vous voyez. Ma base, hein. Il est en train de se refaire entièrement!
Eh, Kittle va passer devant Andréade, hein. Surtout que ça ne fonctionne plus. Ouais, je crois que cette tactique, que quelqu'un l'avait dit dans le chat il y a longtemps, que cette tactique ne fonctionne plus. Vous savez que Kittle... Kittle, il est pas mal, hein. Oh là là. Oh, les galions. Oh, mais Andréade qui vient. Andréade, le giga golem. Regardez, Andréade. Il micro, c'est petit bateau. Ouh. Non, mais les duels. Vous vous rendez compte à quoi on en est réduit dans cette game? Oh là là, Andréade qui vient de manger deux bombardes. Oh, la flotte! Oh non! Elle est terrifiante, la flotte d'Orslo. Hein. Là, il faudrait beaucoup de vaisseaux de démo. Le problème d'Orslo, c'est qu'il fait que des bateaux. Il fait que des bateaux. Et... Oh là 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 là, ça tue! Ça paye, hein! Écoutez, ça paye, hein! Mais... Ouais, je sais pas si ça va tenir... Ouais, 83 ans, ça va tenir, hein! Ouais, Orslo, il peut plus personne. En plus, Orslo, là, il a une économie, Orslo. Regarde, il va récupérer l'or. Il a deux gisements d'or, trois gisements d'or, de la pierre. Et il a une nouvelle base. Il va refaire des bateaux. Et là, il est ingérable. Je pense qu'il a gagné. Je pense qu'il a gagné juste avec sa flotte. Juste avec sa flotte. Il faudrait aller raser sa base. Mais je suis pas sûr que les autres joueurs se soient rendus compte que... Il occupe mon ancienne base! Écoutez, si streamhack, c'est pas de ma faute. Hein. Le streamhack est interdit. Hein. Aurais-je donc offert la win à Orso? Non, 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 tu pouvais pas prévoir. Hein. Je pense que, quoique, tu l'as quand même laissé se développer tranquille, il t'a pété la gueule. Peut-être. Hein. Tu t'es acharné sur moi alors que c'était lui qu'il fallait. T'aurais peut-être pu le raser dès le début. Hein. C'est lui qu'il fallait raser. Hein. Et après, t'aurais pu venir me raser moi. J'aurais peut-être pas eu les moyens de me défendre. Moi, je joue très late game. Je suis assez faible au début. Oh, l'armada. Qui était à gauche de Kittle? C'était Maître Dindon. Maître Dindon, si, c'était Maître Dindon qui s'est fait raser pendant qu'il rasait Megadox. Et Maître Dindon a migré ici. Voilà l'ancien propriétaire de l'île. Orslo s'est fait raser à trois reprises. C'est vrai qu'Orslo, il s'est fait raser un paquet de fois. Mais Orslo est un très bon joueur. Orslo est un très bon joueur. Et voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, Andréade avec des paladins. Oh mais Andréade il va rien faire là le pauvre, regardez ce qu'il y a en défense. J'aime pas la déco du nouveau proprio. Oh, pourtant c'est plus classe que chez toi hein. C'était un peu camp de manouche hein, chez toi. On se croirait à... On se serait cru à Beyrouth là sur un souk hein. Des knights. Ça sent pas bon quand vous faites des knights. Hein. Oh là là. Il rase Andréade. Maître Dindon est en train de raser Andréade. Il est à l'attaque. Il aura pas le temps. 38 ans. Il aura pas le temps. Il aura pas le temps. Aïe 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 aïe. Ben ouais mais les gars là c'est Orslo qui est premier. C'est Orslo qui est premier. Et Orslo il a récupéré ma base. C'est un zerg. Il est pété de thunes, regardez, il a les gisements d'or et tout. Et là, il y a la flotte d'Orslo qui se balade, mais qui a même plus de cible. Ça aurait été... Vous savez que c'est encore serré, hein. Non, non, Andréade, tu vas perdre des points. Maître Dindon est trop loin. Je pense que c'est bon. 27 ans, la game allait pour Orslo, mais c'était serré. Hein. Tu feras du Edge of Mythology. Non, je suis pas un grand fan de Edge of Mythology, Gapin. Je suis un Edge of Empires 2 pur jus. Va voir Darfish, je crois qu'il fait du Edge of Mythology... Darfish. Edge of Empires 2, il y a quand même beaucoup de joueurs. On peut faire des games à 8 sans problème. Et c'est cool. Oh là là, mais ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard, Orslo, belle game. Hein. Bravo, Orslo. Hein. Bravo, Orslo. Orslo qui aura... Orslo qui se sera fait raser quand même plusieurs fois. Hein, Orslo, il a perdu ses bases ici, ici... Il a perdu son île. On peut dire chapeau à Orslo. On peut dire chapeau à Orslo. Hein. Ouais, bravo. Je félicite pas l'hostie hein, qui a pourri la game de ma game et celle de Lurtz. Hein. Ouais, mais c'est parce que je suis salé au final. Hey, t'as tué un joueur, c'est toujours bien. Kittle. Kittle le cancer avec ses chevaliers teutoniques. Kittle, il fait pas assez de bateaux.
Il passe deuxième, le dindon, absolument! Maître Dindon, en rasant Andréade, passe deuxième à 3 ans de la fin! Bravo! Bravo! Belle game! Belle game! Magnifique! Très belle game! Très belle game, Maître Dindon. Eh, hey, Maître Dindon, ressources collectées 51 000. Maître Dindon au niveau ressources. Bravo, hein. 51 000, 57 000. Pierre, c'est Megadux. Orslo, l'or, 23 000. Maître Dindon! Maître Dindon, il était interdit de faire du trade. Bravo, Orslo. Très belle game. Très, très beau jeu. Magnifique. Maître Dindon, il était interdit de faire du commerce avec... Il était interdit. Je vais mettre ça sur le fait que t'étais peut-être pas au courant, Maître Dindon, qu'il était interdit de faire du commerce. Attention, hein. Et militaire, Andréade a tué 540 unités. J'en ai perdu 127. Eh ben, pépé. Bâtiment rasé 2... Eh, Kittle a rasé 248 bâtiments. Écoutez, je suis quand même dans le classement. C'est moi qui ai perdu le moins de bâtiments. Hein ? Regardez, PPGM, j'ai perdu le moins de bâtiments. La plus large armée, c'était Maître Dindon, 160. Impressionnant. Écoutez, bravo. Bon, je m'arrête là. Je suis crevé, j'ai trop streamé. On essaiera peut-être de faire des games, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine. Dimanche, je pense pas, parce qu'il y a Starship. Hein. Et Starship, bah, ça va durer toute la journée, parce qu'on a aussi peut-être la Falcon Heavy d'Europa Clipper. Et quoi qu'il arrive, jeudi prochain, on refera des games. C'était cool. Merci à tous les joueurs. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Demain, je ferai du War Thunder en début de journée. Company of Heroes en soirée. Minute Spatiale, samedi. Warhammer avec Chouan. Je continuerai Rune avec des Dunedin. Et dimanche, Starship Vol 5. Peut-être le vol de l'année avec récupération du booster. Ça va être incroyable. Si vous voulez voir quelque chose de dingue, soyez là. Un vol de Starship, c'est toujours incroyable à voir. Et ça vaut le coup. Même si vous n'êtes pas un fan de spatial, vous ne serez pas déçu. Hein. Et je m'arrête là. Passez une bonne fin de semaine. Et je vous dis à ciao, ciao. Salut tout le monde.